Pourquoi Sophie est-elle ainsi coiffée? Ils sont jolis ces rubans, non? Comme ceux de Camille et Madeleine. Vous êtes ridicule, mademoiselle. Vous ressemblez à un sapin de Noël trop décoré. Pourtant, maman, vous trouvez Camille et Madeleine bien mignonnes. Tu sais que je n'apprécie guère la coquetterie. Madame de Fleurville éduque ses enfants comme elle l'entend. Ici, tu dois m'obéir. Lucie, vous coifferez Sophie normalement. Oui. Sophie, sache que la simplicité est le secret de l'élégance. Nous avions peut-être mis un peu trop de rubans. C'est injuste. J'ai déjà de si vilains cheveux. Et pourquoi j'ai pas de jolis cheveux frisés comme Camille? Vous enviez les cheveux de Camille sans connaître les soucis d'une telle coiffure. Les soucis? La coiffure de Mademoiselle Camille demande beaucoup d'entretien. Votre amie ne peut prendre l'appui sans ressembler à un mouton. Un mouton? Oui. L'eau transforme ses jolies boucles en frisettes ingrates. L'eau fait friser les cheveux? Voulez-vous bien vous tenir un peu tranquille? Toi aussi, tu as de jolis cheveux. Je n'apprécie guère la coquetterie, mademoiselle. Si vous voulez être élégante, il vous faut apprendre à être simple. Je te cherchais partout. Ma cousine serait-elle de mauvaise humeur? Dis donc, tu es bien coiffée aujourd'hui. Tu es méchant de te moquer de moi. Je suis affreuse. Je ne me moque pas de toi. Tes cheveux sont moins en bataille que d'habitude et... Arrête de m'embêter avec mes cheveux. Je les déteste, ils sont laids. Et maman m'autorise ni frisette ni ruban. C'est pas juste. Ma tante n'aime pas les fanfreluches, ma mère les adore. Elle aurait même préféré avoir une fille pour lui mettre de belles robes. Tu vois, personne n'est jamais content. L'essentiel, c'est que ta maman t'aime, elle. Mais ta maman t'aime, Paul. Ah oui, elle m'aime. Si je suis loin d'elle à Réan et que je ne l'encombre pas trop. Toi, encombrer? Elle ne peut pas penser ça. Moi, quand je serai grande, je ne gronderai jamais mes enfants et je resterai toujours avec eux. Mes filles pourront avoir toutes les frisettes et tous les rubans qu'elles veulent. Regarde Camille et Madeleine, elles en ont de la chance, elles. Mais elles sont bien moins amusantes que toi. Vous entendez, mademoiselle? Votre mère est amusante. Est-ce bien raisonnable? Attention à ta robe! Laisse ta poupée, il va encore lui arriver un malheur! Mais non! Tu n'es décidément pas amusant, Paul! Tu ne crois pas que ta fille a assez souffert comme ça? Elle sait très bien monter aux arbres! C'est moi qui lui ai appris! Sophie, fais attention! 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 Oh, avec toi, on ne peut rien faire! Tu vois comme elle est douée! Oh, je t'avais prévenu! Non, ne saute pas! Elle n'a rien! Oh. On a du malheur. Tu vas pouvoir la réparer? Elle est vraiment très abîmée cette fois. Je vais faire mon possible. Lucie va la réparer, tu sais. J'en suis sûre. Elle est très habile. Je vais la transporter dans ce panier le temps qu'elle guérisse. Alors, tu l'as réparée? J'ai juste réussi à lui remettre son chapeau. Thank you.
Je vais enterrer ma poupée. L'enterrer? Écoute, ma pauvre petite poupée est morte. Il faut donc l'enterrer. C'est ainsi que l'on fait toujours, n'est-ce pas? Il faut organiser une grande fête, avec beaucoup de monde, des fleurs, un beau repas. Tout cela? Oh, je vais inviter Camille et Madeleine à l'enterrement. Ce serait une fête magnifique. Ah! Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? N'oubliez pas que Camille et Madeleine ont perdu leur papa à la guerre. Cet enterrement pourrait leur rappeler de douloureux souvenirs. Mais non, ce ne sera pas triste. J'ai déjà vu un enterrement. Il y a des chevaux avec des jolis pompons, des fleurs, c'est très gai. Je vais prévenir Paul. Après votre toilette. Oh non, c'est si ennuyeux de se laver. On peut pas faire une exception aujourd'hui? Vous me demandez tous les jours la même chose. C'est parce qu'il faut se laver tous les jours. Les voilà. Je suis si contente de vous voir, mes amis. Nous allons bien nous amuser. Sophie a tout prévu. Mais oui, et ce sera une belle fête. Venez vite. Bonjour, madame. Bonjour, ma tante. Oh. Allons, vite. Tu m'as l'air bien impatiente, Sophie. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous allons enterrer ma poupée. Venez. Pauvre petite poupée. Oh oui, elle est bien abîmée. Elle a beaucoup souffert, la pauvre. C'est pourquoi elle mérite un bel enterrement. C'est ici qu'il faut creuser le trou. C'est un très bon emplacement. Mais voyons, nous ne pouvons pas l'enterrer comme ça. Madeleine a raison, il lui faut un cercueil. Suis-je bête? Lucie m'a préparé une belle boîte. Continue de creuser, je reviens. Sophie ne semble pas triste d'enterrer sa poupée. Pourtant, elle en était si fière. Vous connaissez Sophie? Elle préfère rire que montrer son chagrin. Avec elle, tout devient une fête. Tu as terminé ma boîte? Quelle boîte? Oh non, tu n'as pas oublié. Comme elle est jolie. Et c'est la couleur préférée de ma fille. Mais je n'y suis pour rien. Maman s'est jetée toute seule dans le saladier. Je pense que c'est assez profond. Regardez! Ce qu'elle est belle! Aide-moi. Sur quoi allons-nous poser le cercueil pour la procession? Une procession. J'ai une idée. Suivez-moi. Je vais t'aider. Pas la peine. Je peux la porter seule. Oh, oh, oh. Ne me fais pas. Oh là là. C'est trop lourd pour toi. Attention. Vous savez bien que ma cousine est la plus forte. Continue à marcher aussi lentement, nous n'aurons jamais fini avant la nuit. Sophie, il faut faire silence. Et aller vite. Très bien. Petit morceau aussi. Voilà. Et hop, dans le trou.
dire pas prononcer un discours. Un discours? Pourquoi faire? Pour dire adieu à ta poupée. Adieu. C'est tout? Tu n'as rien de plus tendre à lui dire? Tendre? Comment? Tu l'aimais, cette poupée? Bien sûr. Alors fais un effort. Ma chère poupée, tu étais la plus gentille et la plus belle des petites filles. La vie a été cruelle avec toi. Tu t'es cassé un bras, tes cheveux ont été brûlés, tes jolies couleurs se sont envolées. Tu vas me manquer. Voilà. Le lilas. Tu oublies le lilas. Il ne nous reste plus qu'à lui donner à boire. Hé, attention. Pardon. Vous allez voir. Votre bonne pied, mademoiselle. Ah, tu vas voir. Non, Paul, arrête. Les enfants, je crois que ta maman nous appelle. Tu cherches un moyen de m'échapper. Allez, vas-y, attrape-moi. Les enfants. Oh, c'est sûrement l'heure du goûter. Vive Lucie, vive Lucie. Merci pour la fête. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Ah, c'était un bel enterrement. Nous nous sommes bien amusés. Tu crois que ma poupée a aimé la fête? Je pense, au fond. Oui, c'est évident. Ta poupée est sûrement très heureuse. S'il te plaît, Lucie. Est-ce que tu es gourmande? Oui. J'aime tellement la confiture de prune. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est de l'amour. Alors dans ce cas... Je prendrais bien une deuxième tartine. Vous savez que votre maman ne veut pas que vous mangiez plus d'une tartine pour votre goûter. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est mon ventre. Pourquoi êtes-vous si bougon, Sophie? Maman ne veut pas que j'aille jouer dehors. C'est parce qu'il pleut. Il pleut juste un petit peu. Je ne suis pas en sucre, je ne vais pas fondre. Sophie, ton père nous fait la surprise de venir dîner ce soir. Papa vient dîner ce soir? Quelle joie! Est-ce que vous me donnez la permission de passer une belle robe? Tu es très bien ainsi. Vous ferez le nécessaire auprès de Gabriel pour le dîner. Je vais continuer mes découpages. Tu m'accompagnes? Je n'ai pas envie. C'est comme tu veux. Cette robe est affreuse et cette coiffure horrible. J'aimerais tellement me faire belle pour papa. 1, 2, 3. La pluie, encore la pluie. Je me demande si c'est chaud. Hop. Thank you.
frisé les cheveux. Adieu, horrible baguette de tambour. Alors, que penses-tu de ma dernière acquisition ? Elle existe en vrai ? Bien sûr. C'est la dernière locomotive mise en service sur nos réseaux. Un véritable bijou. Mais que fait Sophie ? C'est étrange qu'elle ne soit pas déjà là. Elle était si impatiente de vous voir, mon oncle. On ne le dirait vraiment pas. Vous voilà bien jolie, mademoiselle. Peut-on savoir ce que vous nous avez encore inventé ? Je me suis juste passé la tête sous l'eau. Sous l'eau ? De la gouttière. Il me semble que je t'avais interdit de sortir. D'où t'est venue cette idée saugrenue ? Lucie m'a dit... De te mettre sous la gouttière ? Non, que l'eau faisait friser les cheveux. Et tu désirais avoir les cheveux frisés ? Pourquoi donc ? Pour que mes cheveux soient aussi beaux que ceux de Camille. Je voulais me faire belle pour vous. Voilà où mène la coquetterie. À vouloir se rendre jolie, on se rend affreuse. Malheureuse, vous avez pris froid. Allez vite vous changer. Et puisque vous avez désobéi, vous resterez dans votre chambre. Ma tante, je vous en supplie, pardonnez-lui. S'il vous plaît, mon oncle. Sophie doit apprendre à obéir. Dieu, ça y est, tu as pris froid. Il n'y a pas une minute à perdre. Un lait chaud avec du miel et une brique chaude. Tout de suite, madame. Oh. Ma petite Sophie est malade ? Vous voyez où nous conduisent vos négligences, Lucie. Vous êtes décidément incapable de veiller sur Sophie. Elle s'est endormie. Elle semble s'être réchauffée. J'espère que cela ne sera rien. Oh, vraiment, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant. Ses idées sont plus farfelues les unes que les autres et se terminent immanquablement par une catastrophe. Il est vrai que Sophie a beaucoup d'imagination. J'ai fort à faire avec elle et Lucie cède à tous ses caprices. Peut-être Lucie est-elle trop indulgente. Lucie ne me seconde pas. Je dirais même presque au contraire. Dans ce cas, ma chère, il faut nous en séparer. Je crains que vous ayez raison, mais j'ai tardé à prendre cette décision. Sophie est extrêmement attachée à Lucie. Entrez. Madame, madame, la fièvre monte. Sophie ne va pas bien du tout. Vite, vite, un médecin. Ce que je lui ai donné devrait faire tomber la fièvre, mais je crains que le mal ne prenne les poumons. Je repasserai demain matin. Merci, docteur. Lucie, laissez-nous, je vous prie. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Maman!
Je n'aime pas ça, ma tante. Maman ! Ma petite fille. Dieu soit loué, la fièvre est tombée. Oh, ma petite Sophie. Méchante fièvre ! Bien fait ! Tu croyais que ma cousine allait se laisser faire ? Comment te sens-tu, ma chérie ? Que m'est-il arrivé ? Je suis partie très loin dans mes rêves. Vous étiez là, maman, et... Tu te sens mieux ? Oui, maman, mais... Tu as mal quelque part ? Non ! Mais je crois qu'un chocolat bien chaud... Elle est guérie ! Wow ! Wow ! Youpi ! Paul, va demander à Marthe de préparer un bon chocolat et une petite tartine que Sophie prendra avec sa potion. Je cours, je vole, ma tante ! Tu m'as fait si peur. Tu comprends maintenant pourquoi il est important d'obéir à sa maman. Tu aurais pu être gravement malade, tu sais. On peut mourir de ces choses-là. Je vous promets que je ne le ferai plus, maman. Tout ça pour des frisettes. Tu vois qu'il faut se méfier de la coquetterie. Oui, mais maman, j'ai faim, moi.